tous vous écoutez first print votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format super friends c'est le podcast dans lequel on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture la culture comics et bande dessinée par leur travail et une fois n'est pas coutume on euh, s'éloigne un petit peu des plates bandes de la pure bd américaine pour aller parler de création française avec une bande dessinée de science fiction qui est sortie au mois de mai dernier chez Casterman ça s'appelle Vertigeo c'est écrit par Lloyd Sherry qu'on avait déjà reçu dans le podcast pour parler de médiation culturelle avec son propre podcast, c'est plus que de l'ASF. Donc voilà, des podcasteurs qui font du podcast pour parler de BD qu'ils ont écrit, euh, c'est n'importe quoi, on mélange tout, il n'y a plus de frontières. Et en même temps, on sera avec l'artiste de cette bande dessinée, Amaury Bungun. Euh, Lloyd, salut Salut Arnaud, ça fait plaisir de revenir. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu et on a fait des... On a fait, enfin, je suis venu dans ton podcast, t'es venu dans le truc, c'est vraiment euh, les accointances hein Ouais 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 et puis ça me fait toujours plaisir d'écouter le podcast First Prince, un podcast que j'aime beaucoup et notamment j'adore les interviews que tu fais des éditeurs. À chaque fois je prends le temps d'écouter ces podcasts qui sont souvent des fois longs avec plusieurs épisodes mais c'est un vrai plaisir d'analyser de t'écouter analyser aussi le marché et d'écouter les gens parler de leur production éditoriale. Et voilà et moi j'adore me faire brosser le dos dans le <laughs> sens du poil en direct dans mon émission donc ça me fait plaisir aussi à ah, Maurice, salut. Salut. Enchanté d'être là. J'espère que tu vas bien. C'est la première fois que tu viens dans le dans le podcast. Oui, en effet, oui. Et alors, euh, puisque c'est la première fois que tu viens dans le podcast, on va peut-être commencer juste par toi. Euh, je vais te cuisiner un petit peu, si tu me le permets. Mais juste, est-ce que tu peux te présenter euh, très simplement aux personnes qui ne te connaissent pas, quel est ton parcours euh, en tant que euh, dessinateur de bande dessinée alors moi je suis un je suis un, ce qu'on appelle un jeune auteur euh, malgré le fait que j'ai 52 ans, euh, j'ai une première carrière dans la biologie que j'ai quitté à 40 ans, j'ai fait ma petite crise de la quarantaine. Alors on se serre la on main se serre la parce main. que je suis docteur en biologie voilà, okay. j'ai aussi quitté la biologie <laughs> mais bien. moi beaucoup plus beaucoup plus tôt mais on, on, on voilà, bah, ça nous fait un point commun. Ah, ça fait un point commun <laughs> ouais. euh, et voilà et du coup bah après avoir essayé vainement d'entrer dans le jeu vidéo par le biais du cara design du concept art euh, j'ai commencé, enfin j'ai fait de la bande dessinée un petit peu, un petit peu par, par dépit, un petit peu parce que ça me trottait en tête quand même depuis, depuis euh, tout petit, mais sans trop y croire. Donc euh, quelle ne fut pas ma surprise quand euh, Casterman euh, m'ouvrit euh, ses portes et ses bras euh, pour la, pour Iron Mud en fait. En fait pour pour aller dans le détail, je suis allé à Lyon BD Festival il y avait une rencontre jeune artiste où on pouvait amener des projets, donc euh, j'ai amené une trentaine de planches de d'Ion Mud et, ça, et ça, ça a carrément euh, emballé Vincent qui était présent. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans la bande dessinée, et ça fait cinq ans. Ion Mud, qui est une bande dessinée de science-fiction aux inspirations multiples, hein, qui avait été décrite vraiment à la croisée même de la BD, du, du comics et du manga. Je sais ouais, que Lloyd l'avait, ouais. avait parlé de Blame, notamment pour les inspirations. Mais justement, quelles sont tes inspirations <coughs> dans la bande dessinée? Eh ben, c'est très bien résumé. C'est, c'est absolument toutes celles que tu as citées. Il y a le, moi, j'ai un parcours de lecteur assez classique, en fait, franco-belge pour commencer, tout petit. Euh, après l'arrivée des mangas, des comics dans les années 90-2000 avec des, des grosses claques, et puis euh, et je crois qu'en fait j'ai digéré ces trois, ces trois influences, et je pense qu'il une mode effectivement se situe à la, à la croisée de, de ces chemins-là. Ouais. T'as des, des artistes particulièrement que tu que tu adules ah Oui, bien sûr. Bah, en franco-belge. Je suis un grand fan de Ro Rosinski. Euh, on va être sûr de, de La Fuente aussi, des auteurs qui ont un noir et blanc assez assez puissant sur le manga, c'est un peu comme tout le monde, Ça a été Otomo le premier, ensuite Shiro, et puis après, Niai pour Et sur le comics, ouais, bah, j'adore Mignola, j'adore Miller. C'est toujours encore une fois des graphismes très tranchés, voilà. Des traits noirs et blancs, des trucs assez, assez, assez uniques, voilà. Qui m'ont, qui m'ont fait Qui t'ont, qui t'ont façonné. Lloyd, je me tourne vers toi. On ne te connaît pas en tant qu'auteur de bande dessinée, en fait, puisque c'est ta, ta, ta première. Et, euh, bah, je renvoie quand même tout le monde à notre précédent podcast où tu te présentais ton parcours de journaliste culturel. Et notamment, bah, ça fait depuis maintenant pas mal d'années que tu mènes le podcast slash le label. Hein, c'est plus que de l'essai, en plus du podcast, euh, bah, t'as sorti un MOOC Dune. Euh, notamment, je crois que t'en prépares peut-être un autre de, de MOOC. Ouais, alors là, je suis surtout sur une exposition euh, pour le Festival d'Angoulême, euh, pour la cité de la bande dessinée qui aura, euh, qui va durer 10 mois, qui sera la plus grande d'exposition de BD et science-fiction et il y aura un peu de comics avec de très belles planches originales normalement de Watchmen mais aussi de d'autres comics euh, donc c'est plutôt ça qui me prend beaucoup la tête et qui, qui aspire mon âme mais c'est vrai que sinon ouais c'est ça c'était un vieux rêve pour moi de faire de la bande dessinée c'est un rêve d'ado et il a fallu euh, trouver euh, le bon projet le bon dessinateur et puis le bon éditeur et puis, euh, et puis voilà et puis Vertigero existe maintenant depuis ouais, euh, au moment où on enregistre depuis un petit mois bah alors justement pour revenir à, à ses origines et alors euh, j'ai pas envie de, de, de te faire répéter les mêmes choses que tu parce qu'en fait tu as, as eu ta propre interview dans ton propre podcast avec euh, de, Denis Bajram et Valérie Mangin mais euh, qui t'ont d'ailleurs posé des, des excellentes questions et je me suis j'ai en écoutant pour préparer pour essayer de pas poser une question je me suis dit, mais en fait c'est impossible parce qu'ils ont fait littéralement bah, ils ont fait le taf ils ont fait le taf qu'il fallait faire quoi mais justement pour ceux qui qui n'ont pas écouté cette émission c'est euh, c'est pratique euh, bah, est-ce que tu peux justement me dire c'était quoi tes aspirations à, à la bande dessinée. En fait, tu parles, tu d'un rêve d'adolescent, quoi. Ouais, en fait, euh, bah, la BD, c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Euh, avant de faire des études de journalisme, je voulais faire des je voulais en fait faire de la scénarisation, notamment de, de films et de jeux vidéo, et puis évidemment de bande dessinée. Et puis là, voilà, il a fallu euh, un peu patienter, être, ouais, être patient. Euh, le journalisme a été une super porte d'entrée puisque ça m'a permis de, de créer un premier grand réseau. Euh, je me rappelle avec pas mal d'émotions mon premier Angoulême. Euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2018. Et donc bah, c'est là où je découvre hein, le monde de la bande dessinée, c'est là où, où je suis initié, notamment par Casterman, puisque je, je, je passe une soirée mythique à Castorman le samedi soir, le dernier samedi d'Angoulême, avec Alexis Bachi. C'est là où je rencontre Alexis, qui deviendra un, un grand copain, qui est celui qui a qui a fait Captain Desk, un, un dessinateur underground qui est hyper hyper intéressant. Et du coup, euh, bah il a, ça a été toute une entre guillemets une stratégie pour arriver à faire ce, ce premier projet. Il, il fallait déjà avoir une street crédibilité entre guillemets. Donc le fait d'avoir fait le MOOC Dune et tout sur Dune et d'avoir vendu beaucoup de livres fait que bon bah voilà, t'étais déjà un peu identifié. Et puis évidemment le podcast, c'est plus que de l'ASF avec une vraie communauté de gens qui me soutiennent depuis quatre ans donc en effet pour un éditeur il y avait plutôt des signaux faibles positifs pour faire confiance à quelqu'un qui n'avait jamais fait de bande dessinée puis il y a eu la rencontre avec Amaury puisque c'est grâce à Ion Mud en fait que, bah, que j'ai tilté que je me suis dit euh, j'ai envie de proposer à Amaury de, de faire Vertigéo et Amaury a lu la nouvelle et c'est comme ça que ça a commencé et je reviens un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui t'intéresse en fait dans le format bande dessinée Pourquoi Pourquoi c'était un rêve pour toi Ouais, moi je, je lis de la BD depuis que j'ai 4 ans. Euh, donc ça, ça a toujours. C'était mon truc à moi. Euh, je pense que qu'on se construit vis-à-vis -vis de ses parents. On a toujours des choses qui nous appartiennent donc il y avait la BD franco-belge et plutôt le manga aussi c'était un peu les deux trucs à moi et le jeu vidéo euh, mon, mon père était un lecteur de franco-belge mais mais du coup plutôt tendance humanoïde associée. et c'est vrai que moi j'ai lu de la bande dessinée tout le temps tout le temps tout le temps j'avais une bibliothèque une médiathèque juste à côté de chez moi spécialisée en bande dessinée et donc je passais tous mes samedis à lire la à aller en médiathèque lire des BD en fait ah, j'ai envie de, de serrer la main aussi parce que je vivais aussi littéralement à 100 mètres d'une médiathèque et j'ai aussi passé de très très nombreuses après ben, c'était j'allais le matin je le lisais le matin et j'y retournais le midi pour lire l'après mais le soir pour les lire le soir. Ouais enfin, non mais voilà. J'ai passé des des, ouais, des des samedis entiers à, à vraiment lire de la BD et à tout type de BD dans l'espace adulte et dans l'espace jeunesse. Et c'est vrai que bah le le on va dire que la narration BD moi c'est quelque chose qui est qui, bah, qui était en, en moi le fait de, de lire beaucoup de bandes dessinées fait que ça allait entre guillemets plus rapidement ou en tout cas il y avait des codes visuels qui étaient déjà présents. Après c'est hyper intéressant mais en vieillissant euh, je suis de plus en plus inspiré par le par le comics euh, donc euh, c'est ce que j'ai le plus en, en ce moment et c'est hyper intéressant parce que je dirais que la, le manga c'est la force du mouvement euh, et de l'action euh, et le comics, c'est la force de l'intention et avec ces fameuses euh, pleines pages euh, où tu peux voir juste une case sur une pleine une, sur une, une, juste une case sur une pleine planche et, et ça c'est un truc que je trouve très 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 fort dans le dans le comic c'est vrai que c'est plutôt ça que je lis en ce moment le, le plus en plus en, en fait on, on vient aussi un âge d'or bah tu le dis très bien dans ton podcast mais il y a une surproduction de comics et c'est vrai que c'est assez génial moi je découvre des choses que j'avais pas forcément lu qui ont été retraduites récemment et, et c'est vrai que ça fait toujours plaisir ouais qu'est-ce que as lu récemment euh, qu'est-ce que j'ai lu récemment bah j'ai lu euh, tout ce qui était euh, alors euh, on a fait un podcast ensemble, Urban, euh, urban Comics. ça euh, enfin, t'étais à la réalisation. Et du coup, j'ai lu pas mal de, de comics urbains, euh, notamment des, des nouveautés. Euh, j'ai relu, bah tiens, c'est marrant, j'ai relu euh, Billionaire Island, un, un titre que t'as traduit euh, récemment. D'ailleurs, c'est assez, assez marrant. Là, j'étais sur Ed euh, Piece euh, J'avais pas lu, j'avais lu son histoire du rap américain. Ouais, il est pas familier. Hein. Et, et du coup, euh, bah, j'ai lu C'est Marvel. Euh, les trois Marvel et l'actualité de son décès en fait je me suis dit bah j'avais jamais lu son Marvel donc je vais lire mmh. et j'ai été hyper impressionné aussi par la par le côté malin de, de réécrire quelque chose qui pourtant est, est, est un est un classique euh, bon c'est plutôt des nouveautés là dont, dont dont je parle en ce moment mais là récemment j'ai relu du Alan Moore euh, justement pour préparer cette fameuse exposition euh, parce que bon bah voilà sur mettre en tête et puis, il y, y a de, vrais, euh, et j'ai relu Delirious aussi de Corben, de Richard Corben, qui est assez lié avec Metal Hurlant, puisque je suis adjoint de Metal Hurlant, et du coup, je l'ai aussi relu pour l'expo. Euh, et c'est intéressant parce que j'ai, c'est une BD que je lisais quand j'ai, j'essayais de lire quand j'étais enfant, et je trouvais ça hyper dur à lire. Parce que le visuel, enfin, euh, quand t'es, quand es en franco-belge, tu vois, du, du Delirious du Corben, c'est quand même, euh, mmh. même dans les années 90, c'est quand même hyper austère, hyper difficile, et puis t'as une couleur, euh, là c'est ces couleurs de dessin qui sont pas simples mais, euh, mais les, en les réalisant adultes c'est intéressant je vois totalement pourquoi les gens étaient sidérés dans les années 80 quoi euh, même si je sais pas si ça a si bien vieilli que ça mais par contre c'est un truc dingue c'est vraiment dingue. Un truc dingue très bien euh, bah, on va parler un petit peu aussi de votre rencontre et de, et de bah, donc parce que Vertigo à la base c'est une nouvelle euh, d'Emmanuel Delporte donc un auteur qui vit au Canada, si je dis pas de bêtises ou au Québec. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous dire bah, comment tu es rentré en contact avec cette nouvelle et j'imagine que c'est lié à tes activités journalistiques euh, au départ. Ouais, c'est ça. J'ai euh, donc la, la nouvelle vertigo a été publiée dans le recueil de nouvelles Demain le travail, euh, publié par la Volt, la maison d'Alain Damasio. C'est un recueil qui imaginait le travail du futur. Et je découvre à ce moment-là la nouvelle d'Emmanuel qui euh, est un auteur français qui avait qui était en train de publier un, un premier roman chez les, aux éditions critiques, qui est un, un, édi un éditeur rennais. Et, euh, et donc, bah, Emmanuel fait Vertigéo, c'est en 2017. Et euh, je, je critique la nouvelle, euh, à l'époque, dans le magazine Le Point, enfin, sur le point pop. Et, euh, et du coup, bah, j'avais cette nouvelle en tête, quoi, elle m'est restée en tête pendant quelques années. Et, euh, et du coup, quand j'ai voulu euh, adapter euh, Vertigéo, je l'ai contacté pour lui dire que je voulais le faire. Lui était très surpris et très heureux. Et puis euh, et puis ensuite il a fallu trouver euh, le dessinateur c'était Amory et, et après Emmanuel nous a totalement laissé libre de faire ce qu'on voulait je l'ai évidemment tenu informé euh, des choix narratifs qu'on allait faire changer et puis il a vu euh, tout le process euh, donc euh, les storyboards et puis les chapitres terminés euh, ce qui est intéressant et c'est la petite la, la belle histoire derrière ce derrière ce projet c'est qu'Emmanuel était dans une phase où il pensait arrêter d'écrire euh, il était un peu déprimé, c'était compliqué, il vivait au Canada, il s'était tapé la, l'année Covid en tant que médecin à l'hôpital, sans connaître beaucoup de monde, donc je crois que ça a été une période quand même très difficile, humainement parlant, et puis, bah, le fait d'avoir des romans qui marchent pas forcément, qui soient peu connus, euh, bah, bon, c'est pas, pas, pas facile, quoi, et comme beaucoup d'auteurs finalement, et ce qui s'est passé, c'est que Emmanuel, bah, le fait qu'on fasse Vertigéo, ça lui a donné envie de se mettre à réécrire. réécrire, ouais. Donc ça, c'est, c'est chouette parce que finalement, on, on s'attendait pas à ce que ce projet a aussi, euh, créer des, des valeurs positives entre guillemets concrètes quoi. Ouais, une nouvelle sur le travail qui donne envie de travailler. Ouais, malgré ça, la beau. vision du travail qui est dépeinte, qui est pas forcément la, la plus joyeuse. Toi, euh, tu as lu cette nouvelle aussi, mais en fait, quand euh, alors quand Lloyd est venu à ta rencontre pour te la proposer, comment ça s'est passé Votre rencontre, j'ai bien compris qu'il y avait un dénominateur commun qui était Casterman euh, a, a priori, mais comment est-ce que toi de ton côté, tu, tu peux nous raconter cette euh, rencontre alors, En fait, euh, Lloyd m'avait contacté à la sortie d'ion Mud. Euh pas bah parce que tu l'avais lu et que ça t'avait plu pour faire un, un podcast dessus c'est plus que de l'SF et ça a été une de mes premières grosses expositions médiatiques enfin 40 minutes à parler de, de de été... ouais. enfin, moi c'était un peu neuf quoi c'était un peu nouveau à l'époque c'était peut-être même la première ah, c'est la première et puis la, la, plus, la plus conséquente quoi mmh. euh, j'en ai fait sur par internet ou voilà des questions réponses des choses comme ça mais là c'était vraiment une, un podcast quoi, une discussion et du coup, le courant était bien passé. Et puis, bah, quand il m'a dit qu'il envisageait d'adapter <coughs> quelque chose, au départ, il me parlait d'un roman de SF française. Je peux le citer, ouais. C'est la, la, la Guerre des Mouches. De Jacques Spitz, voilà. euh, qui, qui raconte comment euh, les mouches détruisent l'humanité. C'est bah, toujours pas lu, d'ailleurs. <laughs> bon, c'était dans les tuyaux. Et puis, euh, pour finir, c'était à l'été 2022. Et il m'envoie la nouvelle par, 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 par SMS, je crois. Enfin, c'est 35 pages. Hein, donc. Euh, ou, ou je sais plus par mail, oui, par mail c'est ça. Et je lui dis ok, moi bon, suis en vacances, je laisse un peu traîner le truc. Et puis du moment que je la lis, je crois que je l'ai rappelé dans, dans, dans le quart d'heure qui suivait en lisant disant bah, c'est tout ce que j'aime, donc euh, c'est quand tu veux qu'on adapte ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu dans, euh, dans cette nouvelle Alors juste pour faire, faire le pitch, est-ce que tu veux nous faire le pitch oui, 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 oui. Euh, l'humanité réfugiée dans une tour géante et on suit un, un, chef, de son, un chef de chantier, qui est un ouvrier, et qui doit construire des étages à l'infini pour que l'humanité puisse monter et échapper à cette terre qui est, qui est polluée et qui est dangereuse. Et, et en fait, on va suivre, on va dire aller dans la nouvelle. C'est en tout cas, je sais pas, 72 heures de la vie d'un ouvrier, plus ou moins. Dans un univers totalitaire et dystopique et impitoyable. Très bien. Voilà donc la construction d'une d'une grande tour qui qui sert, enfin de plusieurs tours hein, dans, dans, dans un dans un ensemble de tours euh, à la gloire d'un empereur euh, pour dans le cadre d'une société où effectivement enfin il y a un, une façon dont la productivité en fait est mise au rang de valeur euh, première. En tout cas, dans, dans cette partie de la société, parce que on, on, on t'apprend par des intertextes, en fait, entre chaque passage, comment la société se façonnait. Qu'est-ce qui t'a plu, dans, dans la nouvelle vertigéo, euh, C'était l'univers, décrit en, en, 35 pages. C'était vraiment très, 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 très étoffé, très, j'avais plein d'images, en fait, qui, qui, qui m'apparaissaient. l'histoire en elle-même est très bonne, je trouve. Euh, ouais, en fait, c'est plus que c'est une religion en fait. À ce moment-là, le, le travail est érigé en religion et, et ce qu'on appelle la poussée, c'est-à-dire qu'il faut monter, monter tout le temps, quitte à sacrifier euh, sa, sa vie, sa santé, sa, sa sécurité. Donc, ils sont les ouvriers sont élevés, euh, élevés, ouais, depuis tout petit pour pour cette pour ce rôle en fait. Il y a des, des distinctions très nettes entre les ingénieurs, les charpentiers. Les, enfin, c'est je trouvais ça très riche et, et ça se termine enfin il y, y a une fin qui moi m'a pris par surprise qui m'a mis un gros coup de poing dans le bide et c'est tout ce que j'aime en fait dans la c'est quand on est on est quand on tombe un petit peu de haut c'est le, le cas de le dire et que et, que, et, que, et c'est tellement injuste qu'on s'en rappelle en fait c'est un truc voilà c'est donc moi pour moi ça faisait aucun doute que ça ferait ça ferait un album assez percutant hein. Mais justement, parce ce qui, ce qui, ce qui m'interroge un petit peu, ce que tu, euh, amori mentionnais le fait qu'il y avait peut-être eu un, une autre envie d'adapter d'abord peut-être un, un, un roman, euh, mais même par rapport à toi en tant que Premier, enfin que premier travail que jeune scénariste. Euh, pourquoi est-ce que tu euh, as voulu adapter une nouvelle plutôt que par exemple quelque chose de plus long ou à l'inverse même une création euh, complètement originale Est-ce que c'est trop intimidant de proposer un scénario de novo Est-ce que quelque part euh, se raccrocher à une nouvelle dont tu sais un petit peu la qualité, c'est te dire bon le matériel de base il est quand même bien, donc la BD a priori euh, ne peut pas être mauvaise. Euh, c'est ça, euh, c'est ça, en fait. C'est bah, un exercice pas évident. J'ai découvert que c'était quoi être un scénariste de bande dessinée grâce à, à ce projet-là. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Et du coup, je trouvais ça plus, euh, on va dire, c'était bien de commencer step by step, entre guillemets, et, et de commencer avec une nouvelle ou un roman déjà existant. Bah, ça permet déjà d'avoir un début, milieu, fin. Et puis après, c'est des parties prises où tu ajoutes ou tu retires. Mais du coup, c'était quelque chose de plutôt rassurant pour pour commencer. Et, et c'est vrai que bah, le fait d'être spécialisé en science-fiction et de de lire pas mal de choses fait que des fois on tombe sur des pépites qui peuvent ou qui méritent d'être un peu plus connues. Et c'était le cas de Vertigéo. C'était une nouvelle qui avait un peu marqué les gens qui avaient lu Demain le travail. Mais bon, c'était un recueil qui a même pas été publié euh, en, aux éditions poche, quoi. Donc ça, ça montre bien que ça reste un recueil grand format qui a touché à peu près 2-3 000 personnes grand maximum. Mais mais euh, il y a une version numérique mais... quand même. Et il y a une version numérique, ouais. Mais c'est vrai que le, le marqueur dans l'édition, c'est quand t'as les éditions poche. Mmh. Euh, ça veut dire que côté mainstream entre guillemets. Et, et c'est vrai que c'est pas le, le cas de Vertigeo. Donc euh, moi je trouvais ça intéressant et puis bah 35 pages euh, bon finalement la BD fait 136 pages <laughs> donc je me suis dit c'est bien que j'ai commencé par une nouvelle parce que si j'avais dû adapter un roman je ne sais pas combien de pages ça aurait euh, combien de planches ça aurait ça aurait fait même si je pense que l'exercice aurait été quand même un poil différent puisque euh, dans, dans un roman euh, bon là quand tu adaptes un roman je pense qu'il faut encore il faut vraiment synthétiser là sur 35 pages j'ai eu la tentation quand même de d'ajouter des choses qui n'avaient qui n'avaient pas dans la nouvelle de faire des d'apporter de, des nouveaux personnages de et, et moi l'imaginaire que j'avais euh, visuel c'était pas forcément ce que ce qu'a fait Mori euh, qui est vraiment très chouette moi j'avais un, un imaginaire qui était plus proche de la Horde du contrevent et c'était en fait l'inspiration première d'Emmanuel euh, donc d'avoir quelque chose où limite il y a pas de euh, vraiment quelque chose de à la lisière de la fantaisie, où il n'y a pas de matériaux il n'y a pas de euh, il euh, y, a, y a pas de matériaux de construction, il y a quelque chose encore plus primaire, quoi. Euh, mais ça aurait été, en fait, la différence, c'est que la, la, la nouvelle est à la première personne. Et c'est vrai que c'est pas simple quand même une bande dessinée à la première personne, ça marche bien. Moi, je trouve sur du comics, mais il y a un problème de rythme qui se pose. Et donc, typiquement, moi, je, on a retiré, euh, on, a, on a des séquences dans la tête du personnage principal, mais on n'a pas fait tout le récit dans la tête du personnage principal. Euh, ça aurait donné un tout autre roman, enfin euh, un, un tout autre album, je pense. Mais justement, comment tu as fait, comment tu pars en fait d'une nouvelle de 35 pages pour aboutir à un script de bande dessinée? Donc déjà, c'est, j'imagine que dans les questionnements que tu as, c'est dans quelle mesure tu vas rester fidèle? à l'histoire, c'est-à-dire est-ce que tu vas garder vraiment toutes les scènes ou non, euh, comment tu vas ensuite transposer euh, des choses qui sont écrites dans le bouquin et comment après, bah, et ça on, on en reparlera aussi avec Amori, comment tu viens rajouter certains éléments qui transparaissent pas forcément dans le récit et ouais, et, et comment tu découpes ça aussi. Euh, pour Est-ce que ça... est c'était 136 pages, t'es prévu dès le départ Est-ce qu'il y a non. eu euh, une version de Vertigeux qui en faisait peut-être que 100 et qu'au final... Euh... En fait, j'ai fait un truc qui, bah, qui je sais pas s'il faut faire ou pas, mais on a travaillé un peu comme, euh, comme des mangaka ou, ou comme des auteurs de comics. Ça veut dire qu'en gros, globalement, moi, j'ai écrit au fur et à mesure euh, de l'avancée de l'album. Donc, euh, j'ai dispatché ça en chapitres. J'envoyais mes chapitres à Mori et à Maury faisait après le storyboard, et on, on passait au, au dessin terminé. Donc, globalement, c'est au fur et à mesure, j'avais fait un vague plan, j'avais gardé les séquences fortes de la nouvelle en me disant que c'était important qu'elle soit dans, la, dans le roman graphique, mais par contre, euh, on savait la fin. On a gardé évidemment on savait le début euh, mais après ça a vraiment été un, au fur et à mesure de la création de cet album qu'il y a eu des chapitres qui se sont euh, qui se sont affinés notamment avec nos discussions avec Amori où il y a des, pas mal de choses où on a pas mal on a beaucoup échangé ensemble et il y a des, 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 vraiment des aspects qui ont, qui ont bougé en fait euh, globalement en main, on met en dessiné soit on voit ton scénario d'un coup qui est tout fait et puis euh, tu peux dire salut au dessinateur à dans un an et demi même s'il y a des quand même des des retours. Euh, là, on n'a pas fait ça. On a écrit vraiment le la, le, le roman graphique. C'est fait au fur et à mesure. On savait juste qu'on avait une date limite de rendu par Castorman, euh, et donc du coup, bah, ça s'est un peu accéléré vers la fin, mais, mais sinon, euh, on a essayé de tenir ce délai-là pendant un an et demi. Euh, donc, j'ai gardé les points forts de la nouvelle moi qui m'avait marqué. J'ai gardé euh, du texte de la nouvelle, euh, des dialogues ou même euh, de la voix-off qui avait de la nouvelle. Je trouvais ça super d'intégrer vraiment euh, des aspects du récit, euh, enfin des, des aspects du texte dans le dans le récit. Et puis euh, ensuite, bah, je me suis adapté au dessin d'Amori, c'est pour ça que c'est le bon projet pour le bon dessinateur, c'est qu'en fait Amory est très très fort dans les pleines pages, dans les décors, dans les perspectives, et donc c'était important pour moi que ces fameux money shots euh, apparaissent régulièrement dans l'album. Donc euh, chaque chapitre, vous avez une page, pleine page, où le lecteur peut se dire « waouh, Amory a travaillé euh, ». Donc pour nous c'était aussi important, et puis il y a aussi un autre aspect qui est que, il y a peu de dialogue, finalement dans, dans Vertigio. C'est un roman graphique qui peut se lire vite. Euh, ça, c'est un vrai parti pris euh, qui plaît ou qui ne plaît pas. Mais du coup, euh, moi, je trouvais ça aussi intéressant euh, qu'on n'est pas obligé de. Enfin, moi, je suis, pas très, je suis pas très fan de ces albums où ça bavarde beaucoup. Et, et je me dis qu'on n'est pas obligé de tout expliquer. On peut vraiment jouer sur l'intelligence du lecteur. Et euh, le lecteur peut relire évidemment l'album. Et, et c'est vrai que ça aussi, c'est un autre parti pris. C'est une BD assez radicale en fait. Finalement, en noir et blanc, il euh, y a une très belle chute euh, finale. Il euh, y a peu de dialogue. Euh, c'est un univers euh, quand même violent. Il y a peu d'espoir. Donc soit t'aimes, soit t'aimes pas. Oui, et puis euh, de toute façon, euh, qui a besoin d'une BD avec de l'espoir euh, dans, dans ce moment en ce moment, j'ai envie de dire. Bah, du coup, c'est marrant parce que j'en ai eu. eu D'ailleurs, je je l'ai pas dit dans le podcast. ça, ça, ça fait partie un peu des, des Breaking News que je donne ici. Mais euh, bah typiquement, Alain Damasio a lu la nouvelle. Enfin, a lu le la BD. Et en fait, je l'ai senti. Il a, il a apprécié l'univers et le lore, mais il a été déçu que je ne sorte pas de la dystopie. En ce moment, lui, il est, il est très dans ce truc d'arriver à proposer des imaginaires désirables. Et, et c'est vrai qu'on a vraiment discuté. Il m'a dit, j'adore l'univers, mais mais tu sors pas de la dystopie, quoi. Il y que j'ai essayé de limiter avec sa voix comme ça traînante, mais il y avait une forme de ouais de frustration de pas de pas de rester en fait dans ce truc très sombre et très post-apo. Après, moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est souvent le ce genre de récits qui vont marquer. Le lecteur et qui va s'en souvenir au fur et à mesure. Je pense que tout à l'heure Amaury a parlé de Rosinski. Nous, on est tous les deux traumatisés par le grand pouvoir de Schinkel. On racontera pas la fin, mais moi, je me rappelle avoir lu cette bête en noir et blanc. Euh, le final, ça m'avait vraiment marqué, quoi, enfant. Ah, ça mine, ouais. Mmh. Je, me tourne, vrai, je, me tourne, hum. je me tourne vers toi, pardon, Amory, pour ouais. bah, pour savoir en fait. Euh, alors, il vient de dire qu'il t'envoyait les scripts un peu au fur et à mesure, mais avant même peut-être d'avoir le, les, les, les premières pages de script, c'est comment on transforme. Une nouvelle dans euh, bah un univers visuel, est-ce que euh, tu as fait des recherches Est-ce que tu es allé regarder euh, d'autres films dans le dans même registre Est-ce que tu avais t façon, j'imagine, tes propres univers aussi, parce que c'était pas ta, ta première BD euh, du tout. Mais est-ce que tu as fait une bible de personnages, de, de concepts et tout Et qui est aussi bah, par rapport après aux éléments qui sont rajoutés par rapport à la nouvelle, est ce qu'il y a des choses qui sont dans la BD qui ne, qui ne sont pas euh, là-dedans. Oui, oui, bien sûr. En fait, euh, la sécurité déjà, c'est qu'on savait où on allait donc. Euh là-dessus c'était rassurant on savait comment ça se terminait des fois Lloyd proposait des trucs et je disais mais t'es sûr parce que et il disait ouais effectivement c'est un peu c'est un peu tricky on va, on va peut-être passer à autre chose c'était mais on savait au moins comment ça se terminait et, et, et les grandes étapes <coughs> même si effectivement il y a un truc qu'on n'a pas qu'on n'a pas mis c'était pas c'était pas utile euh, après ouais c'était un c'était un travail de ouais de comme tu dis construire une biblio quoi en fait alors j'ai pas tellement regardé des films je suis allé sur internet hein, comme font bon, beaucoup de gens maintenant et et j'ai tapé bah, « ouvrier Grosse très Tramache. Non, non mais c'est la plus grande bibliothèque du monde, hein, finalement, pour mmh. avoir des visuels. Donc, je me suis pas mal inspiré de, de photos euh, du début XXe siècle, les ouvriers qui construisaient les, les gratte-ciels à Manhattan. Tu sais que ces photos ouais. noir et blanc, un petit peu, un petit peu folle, là. <coughs> Après, ça a été aussi du, euh, pas mal de costumes militaires, des tenues NBC pour, pour les combinaisons des mecs. Euh... J'essayais de, de tomber sur le, un petit peu tout ce qui est low-tech, parce qu'on imagine bien qu'il y a pénurie de matériaux, les mecs, ils ont pas, c'est pas la SF, euh, c'est pas de la SF frotilante, quoi, c'est c'est low tech, donc voilà, des, des costumes même de d'ouvriers en manchourie, des des trucs improbables ou de, des tenues de soldats de première guerre mondiale avec des trucs un peu rembourrés, voilà, et, et ça donne ce côté un petit peu un petit peu bah euh, sans, sans budget quoi, finalement <laughs> de cette science-fiction. Euh, et on a même eu un échange avec ça. Lloyd voulait qu'il y ait un peu plus qui y ait des trucs avec des hologrammes. Je dis, mais enfin, pour moi, c'était pas raccord. Et on a eu des discussions vachement intéressantes. L'hologramme, oui, à la fin. Et ça se justifie. Mais sur le chantier, les mecs, ils ont, ils ont pas de pile, ils ont rien, quoi. C'est pneumatique, c'est, c'est, thermique, c'est, manuel, même, des fois. Et donc, quoi ouais, il y a tout un travail de, tout un travail de construction, comme ça, visuel. Euh, que ce soit les costumes, les décors, les, les tenues les tenues des, des génitrices aussi euh, il m'a dit il m'a dit euh, essaye de faire un truc qui soit un croisement entre le, la servante et Carlette et puis des, des amis donc du coup moi j'ai mmh. pas vu la servante et Carlette, mais donc voilà ils ont tout un uniforme qui est un petit peu austère ouais, mais c'est vachement intéressant ça pour le coup Et c'est aussi c'est une partie du travail que je dont j'avais pas conscience parce que ouais. jusqu'à présent, j'arrivais avec mon univers, et puis, avec bah, tes non, gens, voilà, c'était plus, C'était plus simple, ouais. en fait, de venir toi avec tes propres ah Bah, concepts. carrément, euh, t'es, ouais. le boss, tu fais ce que tu veux, après, tu dis, oh merde, c'est vrai que ça, ça pourrait peut-être être un peu plus, euh, tu, tu réorientes, des fois, mais là, c'était un travail de construction, de, depuis de, 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 de zéro, en fait, euh, d'un truc, et il fallait qu'on tombe d'accord dessus aussi. Alors, des fois, il y a des propals qui sont pas passés, il y en a d'autres, ils étaient super, super hypés. Mais c'est très intéressant, très intéressant. C'était beaucoup d'aller-retour entre vous deux pour vraiment définir correctement les costumes. Ouais, le... Beaucoup par mail, on a beaucoup d'échanges de mail en fait. c'est assez, assez tôt même. Ouais. ouais, ouais, on a un historique de mail qui est conséquent. On s'appelait assez peu, on s'est vu deux fois pendant la création de l'album. On s'est fait des points dans l'après-midi où j'allais chez Amori à Lyon. Et, et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup échangé. Et à la fin, on était un peu triste de quitter cet univers. <laughs> je vais être hyper être honnête parce que on a mis du temps à le construire et euh, on le trouve quand même, enfin, euh, une des forces de Vertigéo, je pense, c'est que l'univers paraît crédible ou paraît exister, en tout cas. Et ça, pour moi, c'était hyper important que ça paraisse vrai. Enfin, qu'on ait envie, euh, qu'on sente que quand le lecteur lit, Verti, lit Vertigéo, il sente qu'il y a quelque chose qui existe dans, dans l'univers, dans le monde, dans ce, voilà. Et, et ça, euh, bah, en plus, moi, je suis très influencé par la narration environnementale. Euh, post from software quoi donc Elden Ring et compagnie et, et c'est vrai que euh, c'était important qu'on qu laisse plein de petits détails à travers les cases pour donner cette impression de, de vrai mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup beaucoup d'échanges euh, et il y avait aussi une grande liberté puisque d'amory puisque la fin il fine, euh, c'est un qui qui fait qui dessine quoi. Donc euh, s'il veut pas dessiner ton truc, euh, c'est lui qui dessine ce qu'il veut faire. Euh, donc il, il faut aussi euh, ouais c'est important de bien s'entendre aussi parce que ce qui a été le cas pendant tout l'album et même après parce que c'est vrai que moi bah peut-être toi aussi Arnaud t'as déjà entendu pas mal de bah de d'anecdotes entre le, des fois les relations compliquées entre scénariste et dessinateur et quand même c'est important de bien s'entendre parce que dans les coups un peu chaud euh, notamment les rendus euh, si tu si tu t'entends pas bien c'est là où ça peut, où tu peux te disputer quoi. Mais justement, parce qu'à la, à la fin de l'album, il semble qu'il y, y a quand même marqué que c'était une production turbulente, ou je ne sais plus quel est, le, quel est le terme qui est utilisé exactement dans, dans, les, dans les remerciements. Euh, mais justement, est-ce que... le Voilà, mouvementé. Le voyage fut mouvementé, c'est le mot que j'avais que noté. Qu'est-ce qui a été mouvementé, Amori le bah, le fait de de devoir travailler avec enfin de travailler avec un scénariste ça reste première fois voilà, c'est la première fois donc mmh. euh, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez solitaire d'assez entier d'assez euh, je vais tout de suite à l'essentiel quand quand quelque chose qui me qui me parle pas et, et si t'as pas la personne en face des fois ça par mail ça peut paraître un petit peu brutal c'est juste ma, ma façon de communiquer alors je mets des petits smileys mais ça suffit pas toujours et sur la fin on était les un peu tendu en termes de délai. Ouais. les règles du passif agressif à l'écrit c'est les smileys toujours oublié. Ouais, ouais, <laughs> euh, ouais. et c'est vrai que sur le sur la fin on avait des problèmes de fin des de délai c ça devenait tendu on, ouais, on a réussi à tenir les délais mais voilà c'était je me suis dit bon bah je vais bosser les soirs les week-ends ce que je faisais pas jusqu'à présent <coughs> Euh, mais voilà on s'en est sorti ben, en communiquant en discutant euh, voilà en se disant ok c'est pas après moi qu'il en a c'est après mon idée potentiellement ou c'est euh, voilà je pense il n'y a pas de en fait à la fin de façon euh, quand il te reste je me rappelle c'était ce, ce fameux, mois, ce fameux ouais. Noël euh, ouais. ce fameux Noël 2023 où en fait il fallait, il fallait vous ne l'avez pas euh, passé avec vos familles et, du il coup, fallait ouais. pondre 15 pages quoi tu vois c'était les 15 dernières et, et c'est vrai que pas pas dernière, parce qu'il y le final avait déjà ouais. été fait avant mais c'était l'entre-deux quoi. Il y avait tout un tout un gros passage. Tout un ouais. gros passage ouais. qu'il fallait faire. Et c'est vrai que ça a été ouais que ça a été hyper intense et puis bah du coup euh, faut pas t'embrouiller parce que bah derrière t'as l'éditeur qui te met aussi la pression et qui ouais. te dit euh, les cocos euh, faut que ça sorte parce que sinon euh, bah on le décale là dans un an. Ouais. Donc déjà toi tu te dis ah, c'est pas possible et puis euh, et puis surtout bah plutôt tu l'as plutôt il est fini plutôt les journalistes longs donc même sur la partie de la promotion en fait. Euh, c'est bien d'avoir l'album dans les temps parce que tu peux l'envoyer en avance, tu peux, euh, tu peux l'envoyer deux, trois, voire un mois en avance. Certains, ont, certains maintenant dans l'édition font plus. Hein. Moi, je vois des BD qui, qui doivent sortir en septembre, on les a, on les a en juin. Euh, donc bon, c'est pour la rentrée littéraire, c'est des enjeux quand même. Mais tu vois, ça veut dire ouais. que tu es obligé quand même d'être vraiment en amont. Et, et du coup, bah, il y a des fois, euh, t'as pas trop le temps de faire des allers-retours. Euh, mais c'est intéressant parce que je pense que je, on a pu voir chacun dans les moments de crise comment on réagit quoi tu vois mais euh, ouais ouais on a repris on a beaucoup échangé et c'est vrai que les ouais les mails d'Amory il euh, y a plus d'une fois je me suis dit mais il est vénère ou pas et en fait bah bon, je le connais donc euh, non mais mais c'était c'était marrant mais des fois je l'appelais pour être sûr qu'il était pas vénère c'est quand tu fais un truc ironique mais qui a pas le sourire ironique ça des fois ça c'est pas perçu comme d'ironie <laughs> c'est perçu ouais, comme un quand truc quand un peu elle, comme dit Amori, euh, ça va Amory il est cache tu vois donc ça on perd pas de temps mais mais du coup tu reçois ton mail t'es chez toi comme ça tu reçois le mail t'es là tu fais ah ouais ok <laughs> ça balance donc du coup bah faut se dire en fait enfin moi j'ai ce que j'ai compris pour, pour pour que ça travaille aussi bien avec un dessinateur et inversement un scénariste euh, bon en tout cas le scénariste a intérêt à mettre aussi son égo de côté un peu parce que bon bah c'est un travail collectif In fine, tu signes à deux euh, c'est la c'est vict la victoire ou la défaite ensemble hein. donc il y a pas il y en a pas un qui s'en sortira ah, mieux non, que l'autre à la fin t'es dans le même bateau donc il vaut mieux quand même que ça ça se passe bien et bon bah, c'est le cas avec la sortie de l'album et, et on discute déjà de pourquoi pas faire une suite faire, dans le même faire. univers dans, qui se passerait 20 ans après. Voilà. Ce qui a transcendé un petit peu ces divergences c'était notre passion tous les deux je pense voilà, de, de faire un, un, un bon album qui voilà qui, qui qui marquerait un truc dans la SF. Après ouais. les, les défauts entre guillemets l'album euh, moi je les ai entre guillemets est qu'on qu peut sur quoi peut on, nous a, ouais. on, nous a, on nous a on nous a critiqué entre guillemets sur l'album moi, j'ai vu les problématiques, je pense, assez, enfin, ouais, je pense, quatre ou cinq mois avant la sortie de l'album, t'es, mais es dans la produit. En fait, c'est ça qui est, et c'est là où je me suis dit, est-ce que écrire avant, c'est peut-être pas moyen des fois? C'est qu'en fait, à un moment donné, tu te rends bien compte que il va, te, il, 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 tu voudrais 20 ou 30 pages de plus. Mec, et tu les as pas. <laughs> tu vois, et tu te dis, putain merde, dès le début du contrat, j'aurais dû dire, on fait un 150 pages au lieu de faire un 120 pages, puisqu'on avait signé un 120 pages, en fait, tous les deux, ouais. et il fait 136. Donc déjà, Maury a accepté de, de pousser, de pousser gratuitement, hein, parce que c'est. Oui, c'était pas compris dans l'avance de, ouais. de départ. Euh, mais je pense que voilà, s'il y a une suite, bah on partira sur un 100, 152 pages et ce sera contractualisé dès le début, comme ça y aura pas de, y aura pas de surprise quoi. Donc c'est ça les fameuses 15 pages qui se rajoutent euh, bon, sur, 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 sur la fin quoi. Et justement en termes de, de découpage, de script, euh, est-ce que Lloyd est très dirigiste euh, par rapport juste vraiment de sais 15 euh, euh, non, plans et tout ça ou est-ce qu'il te laissait un peu plus de manœuvre il, euh... il propose il propose c'est très détaillé ce qu'il a en tête par contre après si, si toi t'arrives avec une, une autre option ou, euh, ou, ou pas d'ailleurs enfin il est super super open quoi donc euh il y, a eu, il y a eu des choses où j'ai pas mal changé ce que tu proposais. Il y en a où je suis resté super fidèle parce que c'était tip top. Mm. Je pense à la séquence où il jette le bébé dans le vide qui était, tu sais, on casse l'ongle là, le, ce que le bien. Ouais, le découpage Christophe, le découpage, voilà. découpage Christophe Beck et qui marche très bien. Je suis bien obligé de l'admettre. Mais <laughs> <Et rire> voilà. Euh, ouais. Non, non, c'était un vrai dialogue hein, pour le coup. C'est vrai qu'en fait, un Maurice sur il y a deux chapitres sur lequel il a vraiment pris le dessus. C'est le, le chapitre. Euh, avec euh, la partie où le soleil arrive euh, et la, la, la séquence de la conteuse qui moi je pense c'est la meilleure partie de l'album la, c'est vraiment Amaury qui a pris le le lead sur la partie de la conteuse euh, c'est lui vraiment qui c'était vraiment son idée son envie euh, et, et moi j'ai apporté le soleil et je pense que ce moment-là c'est les deux vraiment cette séquence là c'est la meilleure de l'album et je pense que tous les deux on avait nos deux visions en tête et ça collait très bien ouais. euh, la fin euh, Amori a repris pas mal le dessus sur la, la parce que sur la pression et en fait et, et... Ouais et on savait je savais que j'aurais pas le temps de te dire bah alors je marchais sur des œufs, tu verras, j'ai changé deux trois trucs Et je savais dans ma tête qu'il y a des trucs que j'avais beaucoup changé mais voilà on n'avait pas le temps d'en parler pendant 6 semaines quoi, Et c'est vrai que moi le pré découpage bah Maurice, je pense que tu as dû garder je sais pas 70% Ouais je à pense peu peu ouais, à peu près ouais. Donc euh, <coughs> du coup euh, ouais beaucoup de en fait je mets beaucoup de cases de films de mangas de BD pour ouais. de, pour des intentions. Moi ça moi c'est important pour moi de donner enfin, des un intentions une sorte précises de moodboard aussi un ouais, peu Ouais tout à fait. Ça, ouais, ouais ouais tout à fait. Et ça c'est intéressant ouais. Parce que, ouais, il y, y a même un plan, typiquement, euh, dans, dans la BD, c'est un, un plan lié à Hunter x Hunter de Togashi, quoi. Enfin, enfin vraiment, tu as deux, trois trucs comme ça où je pense que des amateurs de, de, de BD ou de manga euh, y verront les petits, euh, les petits clins d'œil. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le 3-bandes, euh, donc découpage très comics, hein, finalement, le 3-4-bandes. Euh, moi j'adore euh, et je pense que ça ça collette parfaitement avec l'ambiance de cet album ça veut pas dire que c'est le, le meilleur découpage pour toutes les bd mais en tout cas pour celle là euh, ça marche bien et, euh, et surtout l'idée quand même d'arriver à lire un truc que tu as envie de relire d'ici 15 20 ans sans que ça vieillisse puisque quand même la bd euh, c'est bah c'est périssable hein, ça, ça se ouais. voilà on, moi je le vois en ce moment en préparant l'expo bd je relis des choses qui ont je sais pas 30 ou 40 ans euh, qui étaient hyper à la mode que je lisais que j'adorais bah T'as des choses qui vieillissent plus du tout bien, quoi. Donc, il y a aussi, aussi cette idée en tête de se dire, bon, bah, au moins, de tenir un peu. Très bien. Alors, tu disais qu'il y avait 70% du découpage qui, est, qui était gardé. Mais justement, toi, c'est à l'instant, en fait, tu sens que quelque chose va marcher. Tu fais, tasser plusieurs types de storyboards. Comment as, tu fais cette approche du travail visuel? Ouais, c'est ça. Bah en fait, euh, je, je commençais par, par faire ce que, ce que me conseillait Lloyd, et puis je me disais mais en fait ça, il y a moyen de le faire différemment. Cette case, tu la réduis, tu la passes à gauche. Enfin, c'est un peu de l'instinct. Ouais, j'ai pas encore ce regard sur tu, le découpage. Tu, juste, euh... Je te, te coupe juste, mais tu ouais. bosses en numérique. Numérique, ouais, ouais. sur ouais. vertu. Ouais. Ça te permet de. J'ai pas, j'ai appris. Enfin, j'ai appris, j'ai découvert il y a pas si longtemps que le, mm. le découpage, c'est vraiment fondamental et qu'il y a des auteurs qui savent où ils amènent le regard du lecteur. Et, ouais. et j'en suis encore super loin. Quoi. Mais, euh, mais à l'instinct, ouais. Puis tu, tu vois bien en mettant les trucs côte à côte. Tu dis bah ça, puis des fois juste demandant son avis à l'eau, il doit à Vincent, il me dit, ouais ça c'est plus efficace. Euh Ouais, c'est pas mal de, de, comment dire, de, tu bricoles un peu, tu bricoles. Enfin, tant que, que j'aurai pas ce niveau de savoir où j'emmène le regard du lecteur, euh, j'espère que j'y arriverai un jour, bah, tu, tu bricoles en disant, ah, bah, là, ça marche pas comme ça, on touche plus à rien. <laughs> ouais. Tu mais prends. C'est du l'artisanat pour l'instant. Voilà. C'est plus compliqué pour toi de faire donc euh, ces pages parfois très, très découpées, enfin, avec beaucoup de cases, ou de faire des, des, pa des, 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 pardon, des pages pleines ou doubles, <laughs> mais sur lesquelles souvent, parfois, c'est bah, pour mettre en avant euh, des architectures et où là bah, j'imagine que ça peut prendre énormément de temps de devoir dessiner euh, bah, des putains de tours avec des putains d'étages avec des euh, <laughs> alors il y a, ya la tour en extérieur c'était pas si chronophage que ça parce que le numérique te permet justement de faire des copies collées. Moi j'avais pas mal de matos ah, qui m'avaient servi hein. pour un mode oui et non. Euh, tu... Je rigole. Non, non, bien sûr, je, je que tu que veux dire, mais c'est vrai qu'en fait, il y a quand même des moments où tu es obligé de redessiner par. Ah ouais, surtout si c'est un motif répétitif. Mais ça se voit, euh... si tu fais que des copier-coller, ça se voit, mmh. en fait. Donc, il euh, y a quand même un, un retravail ouais. par-dessus. Tu te rappelles, avec les personnages qui chutaient, où je t'avais fait des captures en disant, attends, il faut, faut changer les positionnements et tout des persos. Ouais. Parce que c'est vrai que, bah, en fait, à la fin, t'es. En fait, là, on l'a vu avec Amory in fine, tu cours après le temps, à un moment donné. Et donc, bah. Moi, je comprends totalement qu'il y a ce besoin, tu vois, des fois, de trouver, de, de tricher un poil, parce qu'en fait, sinon, tout redessiner de A à Z après, ouais, vrai que... sur les persos, c'est pas, c'est pas, c'est pas idéal de tricher, parce que ça, ça se voit en fait. Mais sur le décor, euh, ouais, en fait, euh, t'as une, une grande latitude de te servir des, des, ouais, de, des capacités du numérique en fait. Et puis après, oui, il y a, y, a, y a un plan. voir celui-là, la double page de. Des, 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 des dortoirs, là, m'a demandé quand ouais. même pas mal de taf, ouais, c'est clair. Euh, le plan où on voit l'intérieur de la tour avec les, une perspective un peu folle. C'est ça, c'est le voilà, les parchambellans les... à Salam Ça m'a pris pas mal de temps aussi. Mais ouais, mais on, en fait, on était assez d'accord euh, sur, sur le. Quand devait arriver une pleine page, voilà, celle-ci, la chute, voilà. là. Euh, on était assez d'accord quand lui me disait ça, ça sera une pleine page, je dis ouais, ça va, ça va bien, bien envoyer. Et. Alors oui, je vais pas te dire qu'il y a pas de travail, mais c'était pas si douloureux. Des fois, c'est plus douloureux pour moi de faire un personnage qui bouge, un visage qui a une ouais. expression et que t'as pas envie que ce soit trop grimaçant. C'est plus ça qui me demande de, de la concentration du travail. Les décors, c'est un petit peu de l'écriture automatique par moment et c'est assez cool. <laughs> ouais. Lloyd, il euh, y a quand même des scènes, des, des, des éléments qui se rajoutent par rapport à, à ce qui est dans la nouvelle et d'autres qui, qui disparaissent. Euh, comment est-ce que tu, tu as fait ces choix? Ouais, avant... on, a, on a compris que tu avais a priori toute liberté par rapport à, au texte de Delporte que lui t'a dit, euh, il t'a donné carte blanche. En tout cas, il était content donc il t'a dit euh, fais fais comme tu veux. Moi, j'entends aussi que l'enjeu narratif c'est de transformer 35 pages de d'écrit en donc euh, à la base 120, 120 pages de BD. Alors que tu pourrais euh, juste faire quelque chose de très répétitif, euh, t'aurais pu faire, t'aurais pu avoir un mode très répétitif dans dans y regarder, c'est l'assassin euh, prendre le côté juste très mortifère en fait de cette routine de travail pour arriver ensuite à, à, à la conclusion. Mais donc t'as voulu mettre des trucs un peu plus d'action. Il euh, y a des créatures ailées euh, qui qui apparaissent euh, par exemple. Comment t'as fait euh, ces choix D'autres personnages aussi qui apparaissent. Comment t'as fait ces choix Il y a eu beaucoup de choix qui ont été euh, faits pour le visuel euh, pour nourrir le travail d'Amori. Euh, typiquement la fameuse page où euh, les rayons du soleil euh, arrivent. Et, et perce et brûle les ouvriers sur le chantier. Parce que ça, c'est juste dit dans la nouvelle que c'est ce qui t'arrive, ouais. mais on le voit pas, il n'y a pas une du scène coup qui arrive, on, ouais. on le voit pas, et en fait, je me suis dit, bah, c'est génial, comment tu prends une phrase et, et ouais. tu crées une séquence. Euh, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, moi, j'ai beaucoup travaillé en termes de séquence, en fait. Il y a sept chapitres, euh, il fallait qu'il y ait un début, milieu, fin, avec une envie de tourner la page au prochain chapitre. Donc ça, c'est très l'écriture comics, c'est très l'écriture manga. Finalement, le fait de, de, de sortir des albums ou en tout cas de sortir des récits toutes les semaines ou tous les mois fait que bah, on a vraiment, moi j'ai vraiment, je me suis vraiment inspiré de, de ça pour garder ce fameux ce fameux rythme. Euh, ensuite, euh, il, on voulait quand même arriver à quelque chose d'assez euh, efficace et le plus efficace possible. Donc il a fallu faire des euh, faire des choix, notamment euh, faire en sorte que le récit se passe dans un temps assez court. Euh, même si Amaury a rajouté deux semaines à un moment donné pour des raisons tout simplement euh, logiques, euh, Amaury en fait était un peu euh, derrière pour me dire si ça c'était crédible ou pas crédible. Euh, typiquement le héros est fouetté à un moment donné bon, bah, on sait, Amory a dit, on va pas, il va pas se remettre à bosser trois jours après, on va, on va, ça va être dans deux bah, semaines. Donc, qu on est quand même dans une société où les ITT, c'est une, c'est une notion sûrement floue, quoi, donc. C'est, euh... ça. Donc, euh, voilà, il y a eu plein de petits, euh, plein de petites choses comme ça. Après, moi, ce qui était important, c'est d'arriver à donner des cases. Là, typiquement, il n'y a pas du tout ça dans la nouvelle. Euh, une case où on voit comment, euh, les gens mangent ce qu'ils cultivent, puisqu'il y a toute une partie où on cultive des choses à l'intérieur de la tour pour pour survivre et ça fait écho au transpersonnage. Il y a ça dans le transpersonnage, le film en tout cas. Il n'y a pas forcément ça où j'ai pas souvenir de ça visuellement dans, dans la BD de Rochette, mais euh, mais du coup il y a eu plein de petits euh, plein de petits points comme ça, plein de petits détails euh, où il fallait euh, voilà donner un peu des voilà donner un peu à manger pour que le lore paraisse euh, le lore paraisse le plus euh, le plus crédible possible. Euh, après. Euh, Bon, c'est une, une première BD, donc il y a, y a des choses où même bon, moi, quand je vois en relisant, il y aurait, y aurait peut-être plus d'ellipses à faire. Moi, je suis très dans l'ellipse, on aurait pu faire plus d'ellipses, mais pour ça, il aurait fallu plus de pages. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, je pense, vraiment envie de, euh, si on fait une, une suite ou si on, fait un, si on revient dans, le, dans, la, dans la tour Vertigéo, on aura vraiment envie, je pense, de raconter l'autre côté. Euh, le côté plutôt des oppresseurs et, et de montrer tout ce qu'on n'a pas vu dans la cité parce que ce qu'on a vraiment voulu donner c'est que cette tour géante elle elle a encore plein de mystères et on peut encore voir pas mal de choses ça c'est très jeu vidéo finalement et, et on pourquoi pas y retourner de, par ce par ce biais-là et de l'autre côté du miroir quoi d'accord ouais il euh, y avait aussi quand même bah, des, euh, des une, une décision plutôt importante qui est faite avec euh, la fin qui a bon ça c'est quand même très différente dans la façon dont euh, dont on découvre bah, le euh, disons la, la la chute de l'histoire là aussi tu tu alors euh, pour celles et ceux qui nous écoutent allez lire la BD euh, ensuite vous pouvez réécouter euh, la dernière partie donc le deuxième le dernier tiers euh, de ce podcast puisqu'on rentre dans une partie Spoiler, euh, disons, -le, disons -le clairement, euh, ouais, sur la façon dont donc, dont, dont Hugo va découvrir un peu le, le, le poteau rose. Euh, là aussi, t'as as fait des as fait des changements euh, puisque euh, alors il y a toujours le, le côté de l'altimètre qui euh, qui est bien présent, mais donc il euh, y a une révolution qui se passe. Il embarque une petite gamine euh, qui est présente, alors que dans la nouvelle, au final, c'est juste que il s'aperçoit juste que euh, les autres tours dont on lui parle n'existent littéralement pas et il se décide, et après, bah, il découvre presque par hasard l'ascenseur qui va le renvoyer, donc, à la, à la surface terrestre qui, qui existe bien. Là aussi, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ces, ces, ces choix, comment, ouais. comment ils ont été faits? Alors oui, en fait, pour moi, je trouvais dans la nouvelle, ça peut-être, ça manquait un peu de. Bon, bah, ça arrive comme ça, quoi. Le héros il découvre que c'est un mensonge, alors il est aidé parce qu'il y a. Il y a une femme du bas qui vient et qui va lui apporter en fait la la, la solution entre guillemets. Et il y a un fou aussi qui lui dit quand même euh, ouais. les travaux sont pas arrêtés parce qu'en fait la tour n'existe pas. C'est là où ça lui donne un peu l'indice. C'est ça. C'est ça qu'on n'a pas mis. Ouais. Et c'est voilà, ouais. l'élément qui. Disent, et et c'est vrai que on s'est dit bah mettre une révolution en scène ou en image ça quand même ça ça donne un peu d'action et, et ça permet aussi de voilà d'apporter du rythme en fait au au, au lecteur pour qu'il se passe des choses tout le temps. Donc il euh, y, a, y a plutôt une envie d'efficacité de euh, de pouvoir donner plus, enfin euh, d'être dans l'action. Euh, ensuite, bah le grand changement, c'est aussi qu'il y a le personnage de Masako qui euh, qui n'apparaît pas. Il euh, y a un y a un enfant à la fin de Vertigéo, euh, un enfant qui appartient à aller aux enfants du bas et on trouvait ça intéressant plutôt de faire venir une petite fille euh, pour une éventuelle suite. Voilà, donc il y avait déjà cette idée de se dire bon bah euh, si on fait une suite, ce personnage-là pourra peut-être revenir dans 20 ans, plus âgé. Voilà, donc c'était intéressant ça aussi. Ça veut franchiser Vertigé. Ouais, ouais, bah, ouais. En tout cas, il y a eu, il y a eu, ouais, c'était théorisé de ma part, c'est de me dire, on sait pas si ça a marché, mais si ça marche, au moins, on aura un personnage qui pourra revenir. Mmh. Voilà, donc euh, et puis on trouvait ça euh, aussi intéressant d'avoir un, euh, d'avoir un, un enfant. C'est toujours des, des beaux personnages dans les, dans les, dans les fictions. Euh, et et c'est vrai qu'il y a eu. Et puis l'autre choix narratif, c'était qu'en fait, au début, on voulait faire, donc on voulait mettre de la couleur. Euh, pour des raisons euh, mercantiles qui est qu'une bande dessinée en, en couleur euh, fonctionne mieux qu'une bande dessinée en noir et blanc est -ce, et, qu est ce qui est un peu curieux parce que Ion Mud et Le Ritz sont en noir et blanc de toute façon Donc ouais. euh... c'est ça et finalement bah, c'est Amory qui a qui a eu la bonne idée bah en fait moi c'était c'était plutôt par défaut <laughs> c'était un choix par défaut c'est je, je le sentais pas la couleur c'est toi toi t'aimes pas faire la couleur bah enfin, j'aime que... pas ça enfin j'aime pas ça je me sentais pas de le faire ce que je suis pas à l'aise avec la couleur en fait mmh. pour l'instant, je pense que c'est un vrai métier d'ailleurs il y a des coloristes donc c'est le seul mais magnifique métier. Euh, moi je le sens pas, je préfère les BD en noir et blanc. Euh là, il a essayé hein, du départ, je lui disais, bon, faut que je fasse des essais et tout puis euh, je traînais la patte et puis les essais que j'ai faits étaient pas très concluants, on hein, va pas se mentir. Euh, du coup, il a changé son fusil d'épaule, il a dit si on faisait des par exemple que des sépia comme dans la saison de la couleuvre, c'est ça, c'est ça. Euh, à la réflexion, ça, ça passait pas non plus. Donc, euh, je lui dis oh, :« Écoute, ça sera noir et blanc avec des aplats des, des gris en fond. Et, » euh, et, et je crois que même si ça choisit par défaut, finalement, c'est très adapté euh, au ton du récit. Ça, ça donne un côté euh, super glauque, super le côté euh, très usine de sa tour. De ah, mais c'est ça, ah, c'est les, les courants. C'est voilà, mmh. c'est le ciel gris, tout est gris quoi en fait. Puis, ce qui a marché, c'est qu'en fait, on a fait un twist narratif, un twist. Ouais. Euh, un twist euh, visuel qui en fait le qui essaie de où, rajouter de la couleur à la fin. Euh, que, voilà où le lecteur ouvre va donc va, va ouvrir la page de gauche et en fait il se retrouve le avec lecteur, un ouais, album voilà. en, en couleur. Ouais. Et, et ça c'était un très, moi j'ai été assez influencé par la saison de la couleuvre donc c'est une, une BD qui n'est plus publiée aux éditions de la Talente qui est une super super bande dessinée. Et, et du coup, bah, ça marche, puisque les lecteurs qui savent pas qu'il y a de la couleur à la fin, qui ouvrent l'album, faut, faut pas feuilleter l'album. Faut pas ouais, faut pas feuilleter l'album. Ouais, ouais. Mais si tu feuilletes, si tu pas l'album, euh, t'as la surprise et quand la surprise fonctionne, bah, du coup, c'est les gens sont contents. Alors pour l'anecdote, tu sais que j'ai un lecteur en dédicace qui m'a dit qu'il a, qui a percuté au moment de la dédicace qui c'est en couleur il me dit mais j'ai même pas fait gaffe quand j'ai tourné en fait. Il s'est pas rendu compte qu'il passait en couleur. Hein? <laughs> Donc c'est ouais, mais puis franc hein, le gars. Il, il a dit mais oui ah, mais oui c'est en couleur donc euh, quelque part ton cerveau il fait un peu abstraction de ça je pense. Oui, alors, euh, autre euh... surprise peut-être aussi qu'on a eu nous c'est en fait euh, moi je pense enfin j'avais pas le sentiment qu'on allait avoir un album si grand euh, avec, la, avec les cases aussi grands. Euh, je m'attendais à un album un poil plus petit ouais. et, et c'est vrai que bon c'était aussi la surprise qu'on a reçu l'album quand il est sorti c'est de se dire ah, Waouh les, !» les, tu... bon bah voilà c'est des grandes pages quoi donc tu vois vraiment tout. Euh, donc, ça, c'était aussi une autre surprise, ouais. Et parce que vous, vous n'étiez pas en discussion avec l'édito ou la FAB pour vraiment. Euh, bah, si, si, moi, je savais que ça serait le format du rythme, mais toi, t'as pas eu l'info, ouais. Si, si, mais je pensais tu pas que, aussi, ouais. euh, que ce serait aussi. Ouais. ce ça reste impressionnant, hein. C'est impressionnant. Nous aussi, on a eu beaucoup d'infos, enfin, on a quand même beaucoup discuté sur la couverture, euh, qui, est, qui a été un vrai, vrai sujet, et on, oui. a, on a passé deux bonnes semaines dessus, ouais. Qu'est-ce qui, euh, qu qui était compliqué pour le choix de la couverture parce que j'ai fait plusieurs.. Est-ce qu'il fallait être dans là. le vide pour et justement bah, voir euh... ces personnages tomber ou est-ce que tu voulais être en contre-plongée pour y voir y Il tout, la... tout proposer. La, la chute comme ça, ça, la contre-plongée de l'intérieur, euh, les, les gars qui remontent un conduit euh, un conduit d'aération, donc c'était en plongée mais nous on était au-dessus d'eux. Euh, et puis bah en fait, ça assez, euh, a été assez... Comment dire euh, On a proposé ça à Caster et puis même toi des à des... libraires, c'est ça hein Ouais, c'est ça <laughs> libraires, Je suis allé voir plein, pas mal de libraires PBD. J'aurais montré les couves quelle était la plus efficace et euh, et du coup ça a fonctionné d'ailleurs bah je pense qu'Amory a déjà enfin euh, une couvres qu'il a proposé je pense que ce sera peut-être celle d'un tome 2 parce que j'ai c'est bah, Jérôme Lachasse que tu connais bien Arnaud qui a dit euh, qui a dit direct qui a dit cette, cette couverture là elle est parfaite pour un deuxième tome ouais. donc euh, bon c'est bon, c'est rigolo ouais le taf est fait déjà ouais ouais euh, il <laughs> faudra retravailler mais la couverture c'était hyper important pour nous parce que euh, si t'as si t'as une bonne couverture, euh, déjà euh, les, lib les, les libraires un peu médisants te diront que euh, 50% du travail est fait. <laughs> bah ce qui est euh, ouais. en tout cas c'est pas pas parce qu'une couverture te, te as pas l'œil que tu vas prendre le bouquin, mais c'est vrai qu'une couverture. quoi tu tu y vas et tu te ouais. pas pas oui, ah bah, bah tu, voilà, tu vas ça. tu vas ouais, pas le bouquin donc euh, enfin, ça, tu l'ouvres si le dessin te plaît, il euh, y a des chances que que ça soit un achat derrière. Ouais. C'est vrai que quand tu regardes du l'ultime planche, ça aussi euh, un dessin qui aurait pu servir de couverture à mon ensemble parce qu'elle montre vraiment ouais le. Un côté très majestueux de, de vertigeaux. Mais justement, c'est toi qui as fait les couleurs pour le passage en non, couleur non, 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 tu l'as délégué à quelqu'un. là. vire de, de coche, ouais. Ouais. Parce on que tu ne te ressentais pas encore trop à l'aise. Et plus, puis, alors, on pour, plus le temps, en fait. On était là, ouais, c'était la période ouais. où on était vraiment euh, charrette. Et, et moi, je savais qu'il me faudrait au moins 15 jours d'essai, voilà, euh, m'arracher les cheveux dessus. Puis c'est ouais. vrai qu'il y, y a aussi un truc où tu as la fatigue. <coughs> Ça veut dire qu'à la fin, bah, Morin, on es est épuisé, quoi. T es, t es épuisé. Donc à la fin, t'en peux plus. Ça, en... ça, 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 a été, ça a été une vraie épine qu'on m'a enlevé du pied ouais, quand as Elvira a accepté le, le contrat. Ouais. Tu fais combien de planches par jour, à toi, quand tu es sur un projet comme ça euh, Ça peut être. Euh... Alors sur Ariane étais j'étais une, une par jour à la fin. Là, je pense que c'était plutôt une tous les deux jours, hein, me semble. Entre le une tous les deux jours. Ouais. C'est quoi plus, le plus challengeant pourtant, en, en fait Ça, c'est une question de placement de, de cas. C'est une question juste de, de détail du DSA en tant que tel. Ouais, là, détail, Le détail, ouais. Le détail, quand il y a beaucoup de personnages, euh, les foules, il y a quelques séquences à la fin, là où il y a, il y a, il y a des foules, c'était assez, assez fatigant. J'ai même fait des foules qu'on ne voit pas, l'impression, parce que j'ai commis l'erreur de zoomer, en fait. Euh, ah. Zoomer, dessiner, et, et ça, ça n'apparaît pas, pas super bien ah, sur le reste euh, ouais. Sur le reste C'est très dommage, voilà, mais, Moi, j'aurais pris ça. Et alors, Lloyd, quand même, euh, <coughs> j'ai envie de dire qu'Amory, lui, il est déjà rodé à, à cet exercice, mais que, ça fait quoi quand on reçoit. Euh, physiquement euh, son premier album de BD <laughs> c'est quoi la, la sensation euh, t'es pas papa toi hein, c'est pas pareil non donc, euh, mais j'avais déjà pareil. eu la, la, on va dire le sentiment avec le Mook Dune et, oui, remarque, oui, et Tout sur Dune qui avait été la, le premier enfin le premier projet que je publiais après euh, première sensation euh, tu relis la BD pour être sûr que ça va et là tu vois tous les défauts ouais mais mais déjà, tu... sais c'est ce que tous les artistes me disent ouais, en général, Tu, tu hein, vois les euh, défauts, les auteurs, mais donc, euh... tu lis la BD d'un coup et tu te dis, est-ce que, enfin, tu, là, tu est-ce que ça tient Ouais, tu tu prends ton regard de entre guillemets euh, lecteur spécialiste et tu te dis, est-ce que ça va déjà Est-ce que ça tient Est-ce que ça va Parce que bah, euh, c'est pareil. Euh, comment dire euh, Bon, il y avait aussi un enjeu. Bon, bah, il y avait un enjeu pour les deux, mais. Mais même pour moi, c'est la première, donc vaut mieux pas trop se, se, se rater pour la première. Surtout quand tu es entre guillemets fan ou spécialiste de science-fiction, où tu te dis bon, euh, ça, voilà, vaut, vaut mieux pas trop se rater, quoi. Ce serait un peu, un peu dommage. Donc euh, c'est vrai que tu t'avais cet enjeu-là, euh, et il y avait vraiment. J'étais content dans le sens où je me suis dit bon bah, c'est typiquement le premier album que j'aurais voulu faire, euh, où euh, ça reste classique. Il euh, y a des choses qui marqueront un petit peu, mais voilà, ça reste classique, c'est maîtrisé. Et puis euh, bon bah pour la suite je vais pouvoir un peu plus me lâcher et, et, et d'ailleurs si on fait une suite bah il n'y a pas de, de nouvelles donc euh, du coup euh, ce sera clairement une création originale avec peut-être des coups de main d'Emmanuel qui a envie de aussi nous aider euh, mais mais sinon ce sera un autre exercice mais euh, non non on est on est content et puis après bah on il y a un côté alors là c'est là où la magie elle, elle, elle change un peu c'est qu'on connaît comme toi Arnaud on connaît tellement bien le marché qu'on sait que c'est sur les trois premières semaines que va se jouer le destin d'un album euh, donc après, bah il y a le savoir-faire euh, de la com de mon côté, des auditeurs du podcast de Castorman. Ça parce que toi Mais... tu peux profiter, tu remercies pas mal de gens dans à la fin aussi où on reconnaît bah des, enfin si on connaît le milieu des journalistes BD, des auteurs de BD des, aussi, des, auteurs, qui... des copains qui ont, des, qui ont aidé, qui ont soutenu, euh, qui ont voilà, qui ont relu aussi, qui ont fait des bêta lecteurs. Euh, et du coup, non, non, ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt cool. D'ailleurs, tous ne l'ont pas lu encore. Hein, dans les remerciements. Je sais que certains n'ont pas encore lu la BD, mais c'est rigolo, quoi. Et on les, on les euh, juge très fort. Et on les juge très, très fort. Euh, mais bon, bah, ils ont pas le temps, et c'est normal aussi. Hein, c'est pas, ça prend le temps de lire quelque chose. Mais, mais c'est vrai que, euh, ouais, il y avait, il y avait un véritable enjeu. Et puis, bah, bon, il faut aussi, une, il faut aussi redevenir créé Parce que moi, j'avais un bon historique de vente sur le mooc d'une et tout sur d'une. Mais, bon, bah, voilà, c'est c'est des essais sur d'une. Et en plus, tu sors ça au moment qu'il y a le film qui sort. Donc, en plus, t'es aidé par Denis Villeneuve et, et le blockbuster de la Warner. Et, et là, c'est un, vraiment un vrai premier projet. Donc, euh, il fallait aussi rester euh, crédible vis-à-vis -vis des éditeurs et aussi vis-à-vis -vis de son éditeur, quand même, qui est Castorman. Et, et bon, bah, je crois qu'ils sont plutôt contents. Quand j'ai vu euh, le DG, euh, Benoît Mouchard, euh, la première chose qu'il m'a dit, c'est quand la suite. Donc, euh, c'est plutôt bon signe. Très bien. Donc, pour l'ouverture, de toute façon, la réponse a déjà été donnée euh, auparavant. Vous m'avez grillé mon, euh, mon conducteur, mais c'est que vous, penser en tout cas à faire une à revenir à cet univers et à quelque part vous émanciper un petit peu quand même bah de maintenant de de l'écrit de, de, de d'elle alors Maurice une pause avant déjà ouais j'ai un projet solo euh, parce que j'aime bien le tard un, un petit peu, peu. Voilà, ouais. j'ai besoin je sais pas mais c'est voilà, ce que, ce que j'ai envie de faire tout de suite ouais. euh, de la fantaisie noir et blanc euh, assez, assez assez tendu là je dire quand même que ça mêle il y avait une touche de fantaisie quand même un peu dans Vertigo que tu avais fait Ion mode très SF euh, le rythme beaucoup plus fantaisie ouais. que là en fait ça t'avait Permis de, de mêler un petit peu les deux. Ouais, c'est post-apo, c'est encore euh, mmh. différent des, des deux précédents, ouais. avec cette apparition des créatures qui sont un peu fantasy. En effet, euh... bah, c'est les univers que j'aime. De hein, toute façon, mmh. SF fantasy. Il est peu probable que, que je parte sur d'autres pistes pour l'instant. Tu vas pas faire un tranche de vide une semaine dans la vie d'un facteur. Non, euh, ou alors il lui arrivera des choses incroyables à base de, de créatures <rire> fantastiques. <rire> ce, qui être, ce qui peut être un moment aussi. C'est un peu être marrant. Mais voilà, et puis euh, après ce projet, donc qui m'amènera début 2026, je pense, enfin, pour la sortie, après, ouais, il n'est pas exclu qu'on qu enquille sur un vertigineux ou deux. Ouais, si si les vrai. ventes continuent, si ça se passe bien, si on a le soutien de l'éditeur ouais, et des on, lecteurs. C'est ça, en fait, on s'était dit, si on arrivait à atteindre des des chiffres de vente comme 7 ou 8 000 exemplaires. Ce serait intéressant mécaniquement hein, même de, de faire une suite. Mais il y avait aussi une envie hein, de nous, de notre côté, ouais. de revenir dans l'univers, puisque c'est vrai qu'il euh, manque ces fameux 30 pages de plus, et on a envie de se dire, bon allez, vas-y, il en manque 30, on va en faire 150 de plus, euh, pour, pour clôturer aussi quelque, quelque chose. Euh, mais c'est vrai que bon pour l'instant, l'album se passe bien. On a vendu 3000 exemplaires en un mois, ce qui, ce qui est plutôt des, des, bons, des bons résultats en ce moment. Euh, et donc du coup, on se dit que euh, mécaniquement, avec euh, la fin d'année et autres, moi, mon objectif était d'en vendre 5000. Euh, je pense qu'on peut faire plus, et, et donc du coup, euh, bah re revenir. Et moi, ça me laissera du temps, le temps qu'Amaury fasse son sa bande dessinée aussi de fantasy. Ça va me permettre aussi de mon côté d'écrire et puis de de commencer à faire une trame, une trame narrative avec pas mal d'idées. Et si on revient, bah, on veut faire un truc plus gros, plus grand, plus beau, plus fort. Enfin, on a envie de se challenger pour rendre quelque chose de mieux aussi vis-à-vis -vis des lecteurs, parce que. Euh, bah on le sait bien hein, les les, les monnaies entre guillemets sont pas extensibles et puis bah si on revient et si les gens veulent nous suivre euh, il faut qu'on donne son il faut qu'on donne notre max aussi quoi Ouais. Sachant que sur le premier il n'y a pas forcément d'attente, les gens ne savent pas à quoi ils vont avoir affaire, mais sur un deuxième il y a l'attente du premier, enfin il y a les attentes de la lecture du premier. Voilà. donc il faut faut forcément mettre la barre plus haut à tous les niveaux et pousser tous les curseurs et puis et se faire même plaisir je pense, en allant sur des, des trucs qui nous ont plu nous, que ce soit en, ci, en ciné, en, en BD, en roman, enfin aller sur des trucs qui nous qui nous éclatent. Hein, je crois que ça, il y aura pas d'autres recettes a priori. Et moi, ce sera ma, ma question piège là-dessus, parce que c'est vrai que je me serais pas forcément attendu. Alors, j'entends parfaitement l'argumentaire de dire que bah, c'est tout un univers avec euh, des choses que qu'on peut encore explorer, tout ça. Mais à, à, à mon sens, l'une des forces de Vertige, en tant que tel, c'est quand même bah, son, son twist aussi, euh, qui, mais qui fait qu'une fois qu'on l'a découvert, ouais, tu pars dans un terrain où il n'y a, a plus de, de, de surprises à créer, peut-être. Est-ce que c'est là, là-dessus là aussi, auquel tu, tu peux réfléchir à te dire? Est-ce que de, si vertigeo 2 il y a il faudrait trouver un, un contre-twist peut-être ou est-ce que euh, on assume le fait de dire que bon bah euh, la surprise a été découverte maintenant explorons en fait simplement euh, les, les à côté de cette surprise. Ouais, dans les réflexions qu'on a avec Amaury, c'est que on réfléchit à pourquoi pas faire un, un comme une forme de boléro, euh, ça veut dire que dans vertigeo on a des ouvriers qui cherchent à descendre, euh, pourquoi pas dans l'une suite d'avoir des gens qui cherchent à monter et euh, justement créer quelque chose euh, faire vraiment une espèce de de boléro de passer de la couleur au noir et blanc euh, et de vraiment jouer aussi et, et puis avec un, un côté peut-être un peu plus euh, un peu plus encore euh, space entre guillemets horreur avec une, une envie on, on serait assez partant de faire du aliens quoi entre guillemets mais ou, ou, mais euh, voilà Je parlais de Bioshock aussi ouais Bioshock euh, aliens ouais. euh, on a envie de de montrer cette tour aussi <coughs> dans des dans des moments de, de destruction dans des moments de décrépitude. Euh, donc ça peut être euh, ouais, ça peut être intéressant. Ouais. On va pouvoir essayer de se tenter à des nouvelles choses, toujours avec. En fait, moi, ce que j'analyse quand même une bonne suite, c'est quoi C'est les mêmes ingrédients. Le, c'est quand même les mêmes ingrédients que le premier. Donc il faudra aussi des choses qui font vraiment écho au premier, au premier album, notamment pas mal de pleines pages, notamment aussi avec un truc radical, euh, avec euh, voilà un petit groupe de personnages, euh, et puis euh, et puis proposer encore plus un effet un effet waouh Mais c'est vrai que refaire un twist comme on a fait sur le premier, un twist pour un twist, je sais pas trop. Euh, par contre moi récemment j'ai pu lire La Route euh, et, euh, et j'ai été extrêmement euh, extrêmement euh, impressionné bon, ben, comme beaucoup de gens hein, mais euh, par ce côté aussi très radical qu'il y avait et puis aussi par le fait qu'il y avait peu de dialogue hein, donc ce qui me rassure en me disant qu'il peut y avoir des BD avec peu de dialogue et, et ça peut vraiment euh, fonctionner parce que bah ça nous ça nous paraît évident euh, avec Arnaud, parce qu'on lit aussi plein de choses mais c'est vrai qu'on a aussi tout un public de franco-belge qui pour lui c'est important d'avoir son nombre de cases et de bulles euh, plutôt par euh, par album aussi pour qu'il ait ce sentiment de de pas lire quelque chose en 45 minutes et d'avoir un peu plus mais euh, mais voilà après moi je suis fan de Matrix Willow dit hein, de Matrix 2 et plein de gens aiment pas du tout mais <laughs> moi je ouais moi à l'époque je trouvais qu'ils avaient mis le curseur un poil plus loin mais bon c'était moins culte que le premier évidemment mais mais du coup il euh, y avait quand même ils avaient quand même poussé les curseurs en donnant, euh, en donnant de l'action à GoGo et en même temps euh, un peu de, de séquences où on, on se prend un peu la tête parce que c'est Matrix. Et pourtant, il y avait la, voilà, le, le twist du premier, tu ne pouvais plus le refaire. Quoi. Donc, euh, quelque part, c'est quand même possible de reconstruire derrière une fois temps. que l'univers a été admis et que les, que les gens le trouvent cool, il y a moyen d'y retourner. Mais c'est évident qu'il y, y aura une notion de, de fun. Hein, si on ne s'amuse pas à l'écrire, ça se verra. Donc, il faut qu'on qu s'amuse. Mmh. très bien mais d'abord le poste à peau pour toi quand même euh, en librairie euh, bah, d'ici 2026 fantasy. fantasy 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 pardon fantasy mmh. et euh, toi que... il bah, y a l'expo euh, la grande l expo, l expo. Ouais. en janvier euh, 25 où un certain arnaud euh, va me prêter des planches normalement très gentiment euh, donc euh, allez voir les planches d'arnaud dans la <laughs> dans l'exposition alors impression que ce pas des planches que j'ai faites parce que je ne dessine pas <laughs> voilà des planches, planches qui m'appartiennent <laughs> hein, sinon non vous n'allez pas <laughs> voir les planches d'arnaud sinon qu'il a acheté gentiment donc ça c'est en janvier euh, janvier 25 donc ça va être assez intense et puis euh, ouais des projets euh, des projets de MOOC il euh, y a quand même une envie de refaire un MOOC ça ça me manque et des projets de BD il y a Vertigé O2 et puis il y a aussi un projet avec Olivier Ledroit euh, on a envie de travailler ensemble avec Olivier donc voyez-vous chez voilà, Olivier vraiment, le droit comme ça voilà wow. tranquille <laughs> très bien euh, donc il y a, y, a y a encore des envies ouais de, de, mais l'idée c'est de ne pas surproduire et ouais. euh, de, de bah, parce qu'il faut le temps de défendre un album et puis les librairies euh, ils ils pas le temps ils ouais. ont pas le temps aussi donc c'est vraiment prendre du temps et à chaque fois on va dire surprendre et et puis réjouir aussi les lecteurs quoi Très bien, mais bien. À la mati à la manière des ouvriers de Vertigo, j'ai envie de dire que c'est Sky is the limit. Voilà, hein, c'est ça. <laughs> et je suis très fier d'avoir trouvé ça et donc on va pouvoir conclure là-dessus. Euh, donc, Vertigo chez Casterman, c'est disponible en librairie. C'est sorti euh, fin mai. Donc, à Mercury, quand vous écoutez ce podcast, il euh, y en a toujours. Euh, si les librairies euh, défendent bien l'album, sinon n'hésitez pas à euh, passer euh, commande auprès de votre libraire préféré. Euh, Lloyd, je suis à peu près persuadé que je te retrouverai en... Podcast un jour ou l'autre. à très vite hein, pour de nouvelles. Euh, bah oui, il faut que tu reviennes sur C'est plus que de l'ASF hein. On se retrouvera bientôt. Amaury peut-être aussi et euh, bah, on se retrouvera dans, dans, dans le podcast ou IRL. Et je vous remercie tous les deux de m'avoir donné de votre temps pour cette émission. Et on vous rappelle que si A, vous aimez ce podcast et B, que vous appréciez justement les auteurs de BD qui viennent parler de leur travail, vous pouvez soutenir ce podcast. C'est double effet qui se coule. À la fois, ça, soude, ça nous permet d'apporter de, de votre aide à l'émission mais aussi de faire potentiellement découvrir le travail des gens qui y passent. Donc tout le monde y gagne, vous n'avez qu'à partager. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt. Salut, à très vite. Merci. merci.